C'est toute la famille de la sécurité civile qui est en deuil. Le pilote et le mécanicien du Dragon 30 qui s'est écrasé dimanche près de Marseille était issu du groupement d'hélicoptères basé à Garon. Jean Garat, ici à gauche, et Michel Escalin étaient des professionnels chevronnés. Assistés d'un pompier des Bouches-du-Rhône, leur équipage était intervenu à plusieurs reprises le week-end dernier pour secourir les victimes des inondations. Le commandant de bord, c'était quelqu'un issu de l'armée de l'air, qui avait déjà accumulé plus de 4000 heures de vol, qui avait travaillé dans les opérations spéciales, avec des opérations un peu partout, en Afrique, au Moyen-Orient. Et le mécanicien opérateur de bord était issu de l'aviation légère de l'armée de terre. Donc il avait déjà eu toute une expérience dans l'armée de terre. Il était contrôleur de production, donc c'est quelqu'un qui a eu un passé technique important et qui avait évolué vers une carrière de navigant, parce que animé par cette passion justement. Jean, comme Michel, était passionné par leur métier, mais aussi très impliqué dans la vie de leur village. Michel Escalin, 47 ans, s'était installé il y a une quinzaine d'années à Bezousse, à quelques kilomètres de Nîmes. Père de 3 enfants, le mécanicien était apprécié de tous pour sa jovialité. C'était vraiment quelqu'un de formidable qui participait à tous les événements, avec les écoles, avec ses enfants, et puis tous les événements qui se passaient dans le village. Il y a eu beaucoup de besoçois qui sont vraiment peinés parce que ceux qui le connaissaient, quoi, c'était vraiment un chic type. 48 heures après le crash, l'enquête sur les causes de l'accident se poursuit. Elle permettra peut-être de comprendre comment la mauvaise visibilité due aux fortes pluies a pu causer la perte des 3 secouristes et de leur appareil.